Et c'est ton pied dans la défense derrière. Et ça sera une remise en cause pour les Congolais avec Thomas Chalani. Une fois de plus, Mukuma Bimbo, Jordan Boutaka. Boutaka qui fait parler Thomas Chalani de sa force physique, hein. Sa capacité à conserver le ballon. Pour les RDC, parce que Siadi, il y a eu des risques au pas entre les deux défenseurs. L'infirmerie de l'Ouvrar, enfin, avec un grand nombre de joueurs, puisque on a toujours besoin d'eux, on en aura toujours besoin. Voilà, on se bat aujourd'hui. Il faut rester sur cette dynamique. C'est une erreur que où je pense que ça ne peut plus se répéter, puisque le match, il reste encore des points à jouer. Il reste encore pas une victoire, certes, à aller chercher à la fin du coup de finale. Voilà, pour une petite histoire, on a Gabi, va jouer son tout premier match. Historique, c'est que certains, tous les joueurs du jeu face à Gabo, la sélection gardienne, on peut vraiment appeler un derby britannique, a été battu par la ville de Porto, sur le plan de 3 buts à 1. Et la brillante victoire, gardienne, là il y aura des changements, c'est un vrai changement gardien, on a la beauté. Très bien bâti, hein, juste par regardant son physique. Bien sûr, c'est l'un des éléments qui se rajoutent à ce moment-là des joueurs d'Ambien. Quand même, nous serons comptés comme étant ceux-là qui ont joué tout ce match. C'est une bonne raison de participer à cette qualification des Ambiens. Voilà, donc la petite histoire, on a plus large victoire d'Ambien. C'était obtenu un certain 12 octobre 2002. C'était face au Lesotho, victoire de Gambier sur le toit de 5-0. Et la plus large défaite connue par les Scorpions dans leur histoire, c'était en 1972. C'était un certain 14 mai. Ils ont été battus par la Guinée. Et en termes de palmarès, ça n'a jamais été.
édition, pour les autres, c'est pour la prochaine édition, la première à 24, que les Gambiens au Mans ont quand même cette joie de jouer carrément, et ils vont se préparer en conséquence, on le pense bien. Et pendant ce temps-là, on a vu Arsène Zola, qui reste en dehors du terrain, sorti sur ses pierres, donc ça ne peut pas quand même penser à lui donner une mauvaise nouvelle pour les Léopards. Voilà, il y a une autre terrain qui est quand même bon aussi. Ce soir, c'est quand même une très grande équipe, une bonne équipe, une équipe très joueuse, et on va en s'amuser.
Yeah.
de lui que nous gagnons. Et un décès qui dit, c'est la panne. Mais tu fais quand même. Et on dirait tout simplement que les deux qualités de ce groupe se jouent quand même l'amusement cette dernière journée, puisque de l'autre côté à Luanda, l'Angola mène par 2-0 sur des buts de Shaw et de Nolité Augusto, qui permet tout simplement par le passé de faire une victoire. Il faut quand même quitter la compétition, c'est une bonne partie. Allez, c'est plus quoi. Les Gabonais se permettent quand même ce luxe-là de perdre face aux Angolais, puisque derrière, il n'y a pas quand même à se faire peur derrière. Il a poussé légèrement le défenseur derrière, le Vincent Valenti, il a eu ascenseur sur ce centre de. Cette Coupe d'Afrique des Nations allait être sa dernière. Mais malheureusement, parce que on se pose la question, est-ce que ce match-là sera son dernier? Puisque on se rappelle tout simplement que les éliminatoires du Mondial Qatar 2022 vont débuter dans quelques mois, précisément 2 mois en direct. Et on se pose la question, est-ce que Koutou Mali Trésor sera toujours là pour les Yota? Ah, c'est ça le problème, parce qu'il va falloir qu'il travaille, parce que déjà, que ce soit du côté de l'équipe du Sénégal, c'est comme ça que il a du mal à s'imposer, il n'a pas assez de temps de jeu. C'est aussi ça le vrai problème avec les autres de ma vie. Et comme le temps passe, comme le temps passe très vite, je me rappelle de cette CAN 2006 déjà, on a du trésor, je viens de découvrir le monde de couper ce jeune garçon, ce jeune homme, quand même qui évoluait à l'époque. Toujours qui sont réservés avant de s'en aller par la suite en Angola et de revenir après. Mais quand même, c'était des moments très merveilleux de penser que vous avez une petite vidéo. Parce que vous m'avez pour du machin à nuit. Et il y a une sortie de vie de Steve Larry qui va rester plus dur sur l'assistant de cette partie. Et je sais pas ça dit ça. Un spin largement. Vers la fin de cette rencontre, on joue déjà la 87e minute de cette partie. Avec notamment les Léopards de l'air, les équipes qui vers leur 8e victoire dans ces éliminatoires. Après celle acquise en terre angolaise, sur le score d'un 8-0. Et ce sera donc le succès. Et le 18e sommet à domicile, ça n'a pas officiel notamment. Ça a toujours été pas facile de jouer à la maison et de gagner, puisque quand on sait la pression avec laquelle les joueurs doivent évoluer sur le terrain, ils doivent jouer toute une nation, mais quand on sait à la maison, perdre à la maison a toujours été une chose carrément impardonnable. Alors il fallait le faire pour les Léopards, qui sont ces guillemets, mais c'est plus là ce soir, ils le font malheureusement, ils sont sortis quand même. De ces éliminatoires, les Léopards ne seront pas qualifiés pour la prochaine CAN. Donc, il est pas eux à cette équipe, puisqu'ils vont sortir quand même par la grande porte de ces éliminatoires, puisque cette victoire leur permettra de quitter ces éliminatoires avec honneur et bientôt la prochaine.
Parce que
Bah, c'est ça, il veut jouer un peu aux entraîneurs. Voilà. Devant les cases de Siadi. Voilà. Et voilà, il est bien sûr, le dégagement de la défense congolaise, une fois les plus de bien directeur le but. Voilà. Heureusement, il faut quand même mettre de la boucle pour mettre ses ballons en touche. Et ça sera une fois de plus, la relation de finish effectuée. Allez, Gabriel, qui va pousser dans l'accélérateur. Avec cette balle remise en position de rejet, Steve Larbin. Steve Larbin, il était en position de rejet. Elle avance entre les cinq formations, Gabriel. Et c'est la fin, mesdames et messieurs, ici au stade de la Tite de la Côte des Côtes. Victoire, des Lombards de la République démocratique du Congo qui s'impose sous le score. Terminé 2-0, qui s'inscrit depuis la 46e minute sur penalty par Kazali Kassembou. Jason Basakissa, l'herbiste est déjà éliminé, mais on attendait quand même cette victoire. Il fallait quand même résiliner pour les Léopards après la débâcle de France Lille, je le rappelle, 3-0 face au Gabon. Ce n'était pas facile à avaler une telle défaite. Alors, les Léopards aujourd'hui nous ont offert quelque chose que l'on voulait vraiment voir. Une victoire avec manière, avec du jeu sur le terrain. Ils nous ont proposé et bravo à eux. Malheureusement, la qualification n'est pas acquise. Mais quand même, nous avons gardé cette victoire dans le cœur et pourquoi pas dans la poche en vue quand même des prochaines saisons en Léopard. Et tout à fait bravo à ces Léopards qui ont pu se réveiller, se remonter, se relever de cette défaite du Gabon pour nous offrir ce match qu'ils nous ont fait aujourd'hui. Voilà, une victoire importante pour les Léopards de la République du Congo qui sont prêts à entamer les prochains objectifs.